Je m'appelle Livine Van Probe, je suis gérante étant issue d'une formation en management et en marketing et en commerce, je n'étais pas du tout prédestinée à ouvrir un restaurant. C'est en vue de la conjoncture économique actuelle, je me suis dit que c'est le meilleur parcours peut-être à emprunter. À mes débuts, enfin pour la création d'entreprise, j'ai eu beaucoup de difficultés, ça a été très périlleux, mais j'ai eu la chance de pouvoir compter sur ma famille, mes parents, ma famille à Marie-Alante, mais aussi sur mon associé qui m'a beaucoup soutenue dans cette démarche. Ma famille a toujours été très présente pour moi, ils m'ont toujours soutenue, ça a toujours été un rêve d'être mon propre patron. Aujourd'hui, je suis contente, j'ai réussi, enfin plus ou moins, mon entreprise aura bientôt 2 ans. On compte une équipe jeune et dynamique, puisque j'ai 2 cuistots de 24 et 26 ans. On essaye plus ou moins d'intégrer beaucoup de nourriture saine. Le restaurant est avant tout un bar à salade. Je suis spécialisée en saladerie, mais nous faisons aussi des plats du jour créoles et français pour pouvoir élargir notre clientèle. Aujourd'hui, on insiste sur le côté manger sainement. Donc, on essaie d'intégrer le plus souvent des légumes vapeur, des crudités, même au niveau des plats du jour. En fait, cette idée de bar à salade m'est venue durant un voyage, en fait, sur Miami. Après, je suis rentrée sur la Guadeloupe après mes études. J'ai toujours voulu, de toute façon, monter une entreprise pour pouvoir évoluer au sein de mon île et même participer à l'économie de la Guadeloupe. Et donc l'idée est partie de là. À mes débuts pour cette création d'entreprise, mes débuts ont été très périlleux. Elle aura bientôt 2 ans, j'en suis fière et j'espère pouvoir continuer, m'élargir sur les centres commerciaux. Je vise les centres commerciaux, mais aussi la Martinique et pourquoi pas avoir une franchise.